Bonsoir monsieur. Alors, Nîmes, est-ce que vous connaissiez cette ville déjà ? Je suis venu il y a longtemps, tourner un film. Ouais. Et vous n'allez pas me croire, j'ai tourné dans les arènes et j'ai toréé une Rolls-Royce. Mais il y a très fort longtemps. Mais c'est une ville qui m'est chère, bien que je la connaisse mal. Et on vient d'arriver, c'est des ça part sur des chapeaux de roue, quoi, je veux dire. C'est étonnant. Et puis c'est pas loin d'un pays dont je suis d'origine, mère. C'est l'Espagne. C'est une sorte de trait d'union. Puis les gens ici sont tellement sympas. Le cinéma espagnol, c'est oui. Un peu votre culture. Est-ce oui. Que vous avez un réalisateur Oui, j'en ai plusieurs. D'abord, numéro un, Buñuel, de loin. Après, il y a Saura, bien sûr, Almodovar, il y en a pas, il y avait un autre qui s'appelle, son fils est comédien. La question qui me vient, vous n'êtes jamais passé derrière la caméra pour faire un film ? J'ai écrit beaucoup de scénarios que je n'ai jamais tournés, beaucoup qui avaient trait à l'Espagne. Bon, à la guerre civile et tout ça, mais après. 1939. Voilà, ça commençait en 36, ça finissait en 39. Alors, c'est pas trop tard. Je ne sais pas. Je pense que je connais pas de producteur qui mettrait un sou sur ce que je veux faire. Parce que quand je dis que j'aime bien Buñuel, c'est que j'aime bien la façon un peu surréaliste. J'imagine mal maintenant quelqu'un, un producteur, accepter le scénario de le charme discret de la bourgeoisie. Il y a quelqu'un qui fait ça, que j'aime beaucoup, c'est Dupieux. Comment il s'appelle ? Quel est le prénom de Dupieux ? Quel est le prénom de Dupieux ? Comment ? De Dupieux. Quentin. Quentin Dupieux. J'adore, je le connais pas, mais j'adore son cinéma. C'est un peu mon monde, ça. Vous êtes le bienvenu ici. J'ai remarqué, et ça me fait très plaisir. Je pense que vous allez profiter des quelques jours, si vous restez quelques jours. Oui, on reste 4 jours, c'est bien. Voilà, pour le festival, voilà. Oui. Donc, bienvenue. Merci à vous. Je connais un peu le cinéma espagnol. Je n'ai jamais tourné avec un metteur en scène espagnol. J'ai doublé avec un mais pas joué. Mais j'ai pas encore fini, je n'ai que 91 ans. L'avenir m'appartient. Je dis ça aux gens qui pensent qu'à partir de 60 ans, vous ne vivez pas vrai. Moi, ça commence. Vous allez voir la carrière que je vais faire à Hollywood. Dans 15-20 ans, mon nom partout à Hollywood. Donc, pas 25 ans quand même pour ça. Hein. Changer les choses. J'ai de plus en plus de mal à aller au marché, de plus en plus de mal à prendre le métro, des trucs de bêtes comme ça. Moi, mais... ça ne change rien, je ne prends pas le métro, moi, je ne prends le pas métro. Au marché, je ne fais rien. Dans mon canapé, il n'y a toujours personne. Il faut faire sans arrêt des photos au téléphone, des sourires, des machins signés. C'est assez surréaliste, quoi. L'amitié d'être là présent avec nous ce soir, c'est Martin Lamotte, bien sûr, que vous pouvez entre vous. Oui, pareil. Et dites-moi aussi le temps de vous, je ne sais pas pourquoi, cette fascination qu'exerce Nîmes. Peut-être que le film d'Orwell nous donnera quelques explications.